Bonjour, ici Jean-Carl Boucher et vous êtes sur le plateau de 1987 avec le tapis rose de Catherine. Après le succès du film 1981 de Ricardo Troggi, on se retrouve sur le plateau de tournage du film 1987 où on rencontre le réalisateur en compagnie de Mini Ricardo, Jean-Carl Boucher, et de sa maman Claudette, jouée par Sandrine Bisson. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Déjà installé. J'écoute. Allons-y, ma chère. Bonjour, Ricardo. Bonjour, madame. Tu nous invites sur ton plateau? Oui, un des plateaux les plus spectaculaires de Montréal en ce moment. Je sais qu'il y a X-Men, mais pensez-y une minute. C'est un 4 août 1986. C'est rare. On te retrouve, toi, en 1987. C'est la suite du personnage que tu as créé avec 1981, qui est incarné par Jean-Carl Boucher. C'est du... pas du copier-coller, mais ça ressemble beaucoup à ce que je suis. Donc, tu étais comment en 1987? J'étais beau. Très beau. J'étais comment? J'étais un peu délinquant, je pense. C'est ça que le film raconte. Mini Ricardo. On a un look sur les souliers quand même. C'est pas... On a tous quelque chose à apprendre de ces souliers. Ça, c'est le penny. Il y avait le penny loafer dans ce temps-là. C'est la version gars. Exactement, oui. Puis, mais moi, j'avais un mélange de ça puis de Stan Smith, évidemment, là, que je portais fièrement à l'époque. Toi? J'avais un dégradé. Un dégradé de bas avec une permanente puis des broches. Ça devait être beau, ça. Ça devait être pas pire. Le secondaire 5, ça équivaut à des parties, des filles. Le questionnement doit être tout autre que celui en 1981. Ça doit être beaucoup plus dans la quête de la gente féminine. Une de ses obsessions dans le film, c'est finalement de perdre sa virginité. Donc, beaucoup de négociations avec l'autre partie. Il y a une chose qui a changé entre 1981 et 1987, c'est la mode. Oui. Et là, je te regarde, on dirait que t'as emprunté un veston à ton père. C'est exactement ça dans le film, c'est le veston de son papa. Et c'est parce que dans le film, il y a comme une espèce de conflit d'identité. Là. Il se dit, OK, j'aimerais mieux être italien que québécois. Et t'as ça, le look italien. Ben, c'est ça, mais là, il décide de se prendre pour Al Capone dans les Untouchables. Il pense que c'est la mafia de Sainte-Foy là, à Québec. Là. Puis ça va crasher, là, cette histoire-là. Mais pendant un petit bout, il va y croire. Comment elle a évolué, Claudette, par rapport à 1981? Bien là, je pense qu'elle n'a plus de contrôle. Là. Elle a perdu le contrôle complètement. Elle ne peut plus retenir. Là. Tout s'en va, puis elle évolue. On dirait qu'elle est plus sur le bord de la crise de nerfs. Je ne vais pas trop dire d'affaires, là, mais elle est au régime. OK. Fait que il y a le caractère qui vient avec ça. Ta mère est hystérique complètement. Ah, oh, oui. Oh, Sandrine Bisson, vous allez avoir droit à des scènes hallucinantes de... Toi, fais pas ça, puis arrivez-vous là, ça va faire! Ah, oh, ça n'a pas de bon sens. Mais on l'adore dans ce personnage-là. Donc, je pense que c'est vraiment... On a comme compris ce qui était bon dans le premier film avec ce personnage-là. Puis là, c'est vraiment du bonbon. Là. Fais juste y dire qu'elle porte pas que l'autre gars. 1987 de Ricardo Troggi prend l'affiche en 2014. Bon cinéma. Ricardo, Ricardo, tu vas changer! Je t'ajoute! Donne-moi juste une chance!